C'est un meuble qui va aller à Londres pour un parfumeur. Donc il y a des tiroirs en pierre, il y a des éclairages en LED, il y a des miroirs qui vont être mis en vertical, il y a des prises USB qui vont être insérées. Donc c'est un meuble qui est assez compact où il y a beaucoup beaucoup de détails. Là, on est en train d'extraire les parties qui nous intéressent pour découper notre marbre du plan de l'agenceur. Il faut qu'on a l'impression que le bloc de pierre continue. Donc il y a un réglage de veine, il y a un réglage de précision de découpe. C'est le bas de la caisse, il va y avoir des marches. Donc on a une série de coupes à onglets, voilà, qui vont se raccorder les unes aux autres. Et ce meuble-là va se raccorder à un autre meuble. Donc vraiment, on doit être au millimètre pour que tous les plans et tous les démêches s'accordent le mieux possible. Tous les accessoires doivent se mettre vraiment affleurant avec notre pierre, sans jeu, hein, un jeu minimum. Les tiroirs vont être aussi à évider pour avoir l'appréhension. Et il faut qu'on ait l'impression que quand tout est refermé, tout est en place, on est à un bloc de pierre. Ce meuble-là, il s'est un concentré de tout ce qu'on a construit depuis des années. On est quasiment dans la menuiserie et ébénisterie de pierre. Voilà.